Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux » est un appel à l'interclémence. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et votre divinité est une divinité unique. » Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'attends qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Certes, Allah, gloire à lui, est le clément, le miséricordieux. C'est lui qui dissipe les malheurs, pardonne les péchés et renferme dans sa miséricorde ses serviteurs, aussi bien dans l'au-delà que dans les ci-bas. Il dit, gloire à lui, certes, Allah est pour les humains indulgents et miséricordieux. Il dit également, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers le croyant. Contemplant le noble Coran, on réalise que le nom d'Allah, gloire à lui, le miséricordieux, vient avec celui de qui agrée le repentir et celui du pardonneur. Ce qui soutient preuve sur la large miséricorde d'Allah, gloire à lui. Son pardon et son agrément de repentant, Allah, gloire à lui, dit, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés, de « Je reçois le repentir car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux ». Sur la langue d'Ibrahim et d'Ismaïl, salut sur où, Allah, gloire à lui, dit, « Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. » Elle dit également, ne savent-ils pas que c'est Allah qui acquit le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les charités, les sadaqat, et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Elle dit, gloire à lui, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui, et s'il te veut du bien, nul ne pourrait pousser sa grâce, il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit gloire à lui, informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. Le nom du lion divin, le miséricordieux, est parfois associé à celui du Tout-Puissant pour montrer qu'Allah, gloire à lui, absout les fautes par miséricorde, grâce, omnipuissance et grandeur de sa part. Allah, gloire à lui, dit, certes, ton Seigneur est le Tout-Puissant, le miséricordieux. Il dit, c'est pour nos fois, il dit cela pour nos fois dans une seule sourate, il s'agit de la sourate, les poètes seulement. Il dit également, du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, le connaisseur du monde inconnu et visible, et le puissant, le miséricordieux. Dans un autre verset, c'est bien la révélation de tout puissant, le miséricordieux. Et dans un autre verset, Allah, gloire à lui, dit, le jour où un allié ne serait d'aucune utilité à un autre allié, et ils ne seront point secourus non plus, sauf celui qui Allah fera miséricorde, car c'est lui le puissant, le très miséricordieux. Le nom divin, le miséricordieux, est également associé à celui de charitable, compatissant, si vous voulez. Parlant des gens de paradis, Allah, gloire à lui, dit, ils diront, nous vivions au milieu de notre dans la crainte d'Allah, puis Allah nous a favorisés et prodigués du châtiment, de Samoum. Intérieurement, nous l'invoquions et c'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Allah est donc
le clément, le miséricordieux, le charitable, le tout sage, le tout puissant, l'omniscient, l'omnipotent, c'est lui qui donne, c'est lui qui brive, l'autosuffisant, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui accorde la grandeur, c'est lui qui humilie et vers lui tout l'ordre reviendra. Allah a réuni ces deux noms, le clément et le miséricordieux, dans la sourate, le prologue Al-Fatiha, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le clément et le miséricordieux. Dans la sourate la vache, et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans la sourate les fourmis, elle vient, c'est-à-dire cette écriture, de Salomon, cette lettre, et c'est au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Dans la sourate des versets détaillés, c'est une révélation de la part de Clément, le miséricordieux. Et dans la sourate l'Exode, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il s'agit d'une preuve sur le fait que sa miséricorde enveloppe toutes ses créatures dans le ciel-bas comme dans l'au-delà. Donc il s'agit d'une miséricorde immense, sans borne, sans limite. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Les effets des noms divins, le miséricordieux, abondent dans l'univers et renferment toutes les créatures. Allah, gloire à lui, dit, c'est de par sa miséricorde qu'il vous a assigné la nuit et le jour pour que vous vous reposiez et cherchiez de sa grâce et afin que vous soyez reconnaissants. Parlant des bienfaits des bestiaux, Allah, gloire à lui, dit, et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n'atteindriez qu'avec peine, vraiment votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il dit également, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Sans doute croyant qu'ils sont la miséricorde d'Allah, gloire à lui, vient à repentir à son Seigneur, espérant son pardon et sa miséricorde, et traite les serviteurs d'Allah avec clémence pour qu'Allah l'agrée dans sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le clément, les cléments seront agréés en miséricorde de clément, traités avec clémence ceux que sont sur la terre, donc c'est lui au ciel, vous agréerez dans sa miséricorde. Il dit également, celui qui ne traite pas les gens avec clémence ne recevrait jamais la miséricorde, c'est-à-dire la miséricorde divine d'Allah. Oh Allah, accorde-nous ta miséricorde dans les ici-bas comme dans l'au-delà et préserve notre pays, l'Égypte, et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.